La séance est ouverte. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir donc à l'hôtel du département pour cette séance d'installation du nouvel exécutif et de cette nouvelle assemblée délibérante. Je vais donc appeler à ma place le doyen de cette assemblée, c'est Christian Rayot, et c'est lui qui officiera avec la benjamine de l'assemblée départementale. Donc, je vais procéder à l'appel. Madame Marie-Dominique Beluche. Monsieur Emmanuel Formet. Monsieur Bastien Faudot. Madame Samia Jabert. Madame Marie-Hélène Ivol. Monsieur Sébastien Vivot. Monsieur Yann Boucard. Madame Lumna Ketfi Sharif. Monsieur Florian Bouquet. Madame Marilyn Morales. Présent. Madame Anaïs Monnier-Fonèche. Présent. Monsieur Cédric Perrin. Présent. Madame Rachel Couvreux est absente et qui a donné pouvoir à Didier Valverdu. J'ai le pouvoir là. Monsieur Didier Valverdu. Présent. Madame Isabelle Mougin. Présent. Christian Rayot. Monsieur Pierre Carles. Madame Marie-France Séfis. Voilà. Nous avons donc le quorum. Je vais donc vous procéder à la lecture des modalités de désignation du président du conseil départemental qui sont fixées par l'article L3122-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose « Le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Le conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit 3 jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil départemental pour une durée de 6 ans. Si cette élection n'est pas acquise après les 2 premiers tours de scrutin, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Du fait que du contexte sanitaire, la loi du 31 mai 2021 prévoit pour l'élection du président du conseil départemental et de la commission permanente, de façon dérogatoire au plus tard jusqu'au 30 septembre 2021, que l'Assemblée délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Un conseiller départemental peut être porteur de 2 pouvoirs. Les fonctions de président du conseil départemental sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, maire. Elles sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Les fonctions de président et vice-président sont en outre incompatibles avec les mandats parlementaires. Au regard des éléments exposés ci-dessus, je vous propose de procéder au scrutin secret à l'élection du président du conseil départemental. Voilà. Donc, il y a une délégation de vote de Madame Rachel Couvreux pour Monsieur Didier Valverdu. Je l'ai en face. Voilà. Donc, je vais vous appeler nommément pour le scrutin. Comment ? Ah oui. Alors, y a-t-il un candidat ou des candidats ou une candidate ou des candidats ? Merci. Au nom du groupe majoritaire, nous proposons la candidature de Florian Bouquet. Voilà. Donc, M. Florian Bouquet est candidat. Nous allons procéder à l'élection. Alors,
Je vous appelais dans l'ordre que je, dont j'ai fait l'appel tout à l'heure pour aller voter. Vous avez l'isoloir qui est à gauche avec l'urne. Donc, Madame Marie-Dominique Beluche. Ça va? Monsieur Emmanuel Formet. Le vice-président est aujourd'hui qui a secret. Sébastien Faudeau. Madame Samia Jaber. Madame Marie-Hélène Ivol. De Sébastien Vivant. Faites un beau couple.
Monsieur Yann Boucard. Madame Loumna Ketfi Sharif. Alors, vous avez fait une bonne campagne. Monsieur Florian Bouquet. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je me trompe de bulletin. Je n'ai pas vu passer. 33 communes, 101 dans le département. 33. On n'a pas l'intérêt. Vous avez combien ? 17 000. Ça ne soit pas grand-chose. Il y a 200 000. Et j'ai plus de 300 avec le GPU. Oui, mais j'ai 33 communes sur les 101 du département. Deux réunions par soirée, plus les conseils municipaux. Ça fait 50, 8, réunion. Madame Marilyn Morales. Madame Anaïs Monnier-Fonesch.
Monsieur Cédric Perrin. Monsieur Didier Valverdu, cas procuration de Madame Rachel Coureux. Madame Isabelle Mougin. Tu verras. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bah oui. Hein. Monsieur Pierre Carles.
On va dépouiller. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des inscrits, tu sais, on fait toujours comme ça. Les inscrits, on a 18. Les votants, tu vas en avoir 18. Les exprimés. Il y a bien 18 bulletins. Allez. Florian Bouquet. Blanc. Florian Bouquet. Blanc. Florian Bouquet. Florian Bouquet. Florian Bouquet. Florian Bouquet. Florian Bouquet. Florian Bouquet. Blanc. Florian Bouquet. Florian Bouquet. Florian Bouquet. Florian Bouquet. Blanc. 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 Voilà. Donc, M. Florian Bouquet obtient 12 voix, 6 blancs. Il est donc élu président de notre collectivité. Bien, ben merci à toutes et à tous, à tous vos conseillers départementaux pour leur confiance renouvelée depuis 2015. Et ça fait plaisir de pouvoir s'engager pour un nouveau mandat et continuer à travailler au service des Belfortins. Merci à vous. Je vous propose de reprendre la suite de nos travaux. Que l'ordre du jour merci donc nous avons encore deux points à l'ordre du jour, c'est celui de la détermination de la composition de la commission permanente. Et puis l'élection des membres de la commission permanente du conseil départemental. Alors je vous propose que l'ensemble des élus du conseil départemental, comme c'est de tradition, qu'ils fassent partie de la commission permanente, en dehors du président, que tous les élus du conseil départemental soient
membres de la commission permanente, c'est-à-dire le président plus les 17 membres, et je vous propose aussi de fixer le nombre des vice-présidents à 5, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a un accord à ce que tout le monde fasse partie de la commission permanente? Donc le président, les 17 élus du conseil départemental, comme c'était déjà en place lors de la précédente mandature. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 3 à l'ordre du jour, c'est celui de l'élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents. Je vous propose de désigner comme première vice-présidente Madame Marie-Hélène Nivol, comme deuxième vice-président Didier Valverdu, comme troisième vice-présidente Loubna Ketfi-Sharif, comme quatrième vice-président Pierre Carle, comme cinquième vice-présidente Manaïs Von Esch-Monnier. Ensuite viendront tous les autres conseillers départementaux, Marie-France Séfis, Sébastien Vivot, Marie-Lyne Morallet, Yann Boucard, Rachel Couvreux, Cédric Perrin, Samia Jabert, Bastien Faudeau, Marie-Dominique Beluche, Emmanuel Formé, Isabelle Mougin, Christian Rayot. Là, il n'y a pas de vote sur la composition de la commission permanente, puisque cela se fait de manière consensuelle. Y a-t-il d'autres listes qui sont proposées à autre que celle de désigner la totalité des élus comme membres de la commission permanente? Il n'y en a pas? Bon, c'est de manière consensuelle. Je vous remercie. À présent, il me revient de vous lire la charte de l'élu local. Elle vous a été remise sur table. C'est une obligation de la lire. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Je vous ai demandé de prendre acte de cette charte de l'élu local. On est arrivé au terme de cette première partie. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous indiquer que c'est avec une émotion certaine, bien sûr, que je retrouve mes responsabilités de président de conseil départemental, et c'est avec beaucoup de gratitude que je m'adresse à vous pour vous exprimer ma profonde reconnaissance de m'avoir confié pour un deuxième mandat cette honorable responsabilité de président du conseil départemental du territoire de Belfort. Je mesure la valeur de cette confiance renouvelée et je peux vous assurer que j'ai l'énergie et la détermination nécessaire pour assumer la mission qui vient de m'être confiée. Permettez-moi de saluer affectueusement toutes celles et tous ceux qui me sont proches, mon épouse, Isabelle, mes enfants, qui me soutiennent au quotidien dans ma mission. Je salue également l'ensemble des militants de ma formation politique qui m'accompagnent depuis 25 ans et au premier rang desquels Damien Meslot, le maire de Belfort. Je veux les remercier du fond de cœur pour leur soutien fidèle et leur engagement. Les dimanches 20 et 27 juin, les électeurs du territoire Belfort ont exprimé leur profonde aspiration à voir la majorité départementale poursuivre le travail engagé depuis maintenant 6 ans. Cette campagne a été particulièrement particulière, notamment par son contexte.
et les conditions invraisemblables d'organisation de ce scrutin où de nombreuses professions de foi ne sont jamais parvenues jusqu'aux électeurs. Je suis aussi heureux de voir que les Thierry-Fortaines et les Thierry-Fortains nous ont renouvelé leur confiance. Ils témoignent aussi leur adhésion à notre projet départemental. Les Thierry-Fortains connaissent l'intensité de mon engagement et ma volonté de travailler dans l'intérêt de tous, avec l'ensemble des élus de la majorité départementale et tous les conseillers départementaux. Aujourd'hui, en m'élisant à nouveau président de cette Assemblée, vous répondez à leurs attentes. Aussi, avec les élus du Conseil départemental, nous nous attacherons, durant ce nouveau mandat, à porter des projets structurants pour l'avenir de notre département et de ses habitants. Développer l'habitat adapté à la dépendance, une maison de la parentalité, une maison départementale des sports, des zones d'activité économique, faire du ballon d'Alsace un marqueur d'identité territoriale pour notre département, implanter une maison du développement durable sur le site du Malsaucy, saisir l'opportunité de l'hydrogène pour attirer de nouvelles entreprises et créer des emplois dans notre département. Avec les élus de la majorité départementale, nous avons toujours placé le département comme le garant des solidarités sociales et humaines, et dans un esprit d'équité. Nous continuerons dans cette dynamique pour accompagner de manière efficace celles et ceux qui en ont le plus besoin. Pour ces publics, la période que nous traversons aujourd'hui nécessite une attention particulière et une réactivité que seule une collectivité de proximité comme le département peut leur avoir. J'ai une pensée particulière pour les élus du conseil départemental qui n'ont pas été reconduits dans leurs fonctions, mais aussi pour ceux qui n'ont pas sollicité de nouveaux mandats. Notamment Marie-Lise Lomé, Éric Coberlé, Marie-Claude Chitricler, Frédéric Rousse, Patrick Ferrin, Guy Miclos, Sylvie Ringenbach. Je renouvelle mes sincères félicitations à vous toutes et à vous tous pour votre élection dans cette Assemblée. Je suis convaincu que l'addition de la bonne volonté de tous, les élus, les agents départementaux, en partenariat avec l'ensemble des acteurs économiques et associatifs, nous garantira le plein succès de nos missions. Mesdames et messieurs, telle est la feuille de route que je vous propose pour les 6 prochaines années afin de construire ensemble le département de demain et faire rayonner le territoire Belfort. Je vous remercie de votre attention. Vive le territoire Belfort et vive la France. À présent, je vous... Monsieur Faudeau a demandé la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais dire simplement un mot. D'abord, la démocratie a parlé et je vous félicite, nous vous félicitons pour la victoire qui est celle de votre nouvelle majorité. Ces félicitations signifient deux choses, à la fois la reconnaissance évidemment, mais encore on le dit, du scrutin et de son résultat, mais aussi le sens qui consiste à vous souhaiter bonne chance à l'accomplissement de vos missions. Parce que c'est d'autant plus vrai, ça n'est pas une formule, cette bonne chance, c'est d'autant plus vrai que nous sommes dans une période singulièrement difficile. Au plan sanitaire, je n'y reviens pas, au plan économique et social, évidemment, qui en sont pour une grande part les conséquences, même si ça n'est pas seulement la conséquence de la crise sanitaire, mais aussi au plan démocratique. Et c'est d'autant plus vrai aussi ce message de bonne chance et de vœux que le mandat se déroule de la meilleure façon, d'abord pour notre territoire et pour ses habitants, parce que le territoire de Belfort est à un carrefour à l'aune des années 2020-2021. Pour la première fois depuis l'après-guerre, nous avons perdu des habitants, nous avons perdu de l'emploi industriel de manière importante, et il est décisif que les élus, majorité et opposition, se mobilisent, parce que c'est notre intérêt à tous. D'abord, celui des populations que nous représentons les uns et les autres. Le deuxième message que je voulais signifier, c'est que on vit une période très singulière dans notre démocratie au regard de la faille gigantesque du pacte démocratique. On l'a vu avec l'abstention massive le week-end dernier, on l'avait vécu déjà il y a un an au moment de l'élection municipale. Je veux dire ici que cette abstention ne doit pas être regardée
même si pour une part cela existe, exclusivement comme un désintérêt de nos concitoyens. C'est un choix politique délibéré de ne plus se rendre aux urnes. Il doit nous interroger tous et toutes, parce que, au fond, je pense que les absents n'ont pas toujours tort. Il faut peut-être que l'on décide tous ensemble, et bien au-delà de ce département, de cesser de culpabiliser les abstentionnistes, comme pendant des années, une partie de mon propre camp a montré du doigt les électeurs du Rassemblement national, parce qu'au fond, dans les deux cas, ce sont des concitoyens qui expriment une colère sourde. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, qui était totalement inédite dans ces manifestations. Et ça, je pense que c'est vraiment un sujet qui nous fait obligation à tous. Au-delà de nos engagements partisans, parce que, alors évidemment, vous avez souligné aussi la défaillance majuscule de l'État dans l'acheminement des professions de foi. C'est quand même du jamais vu. Vous avez raison de le souligner. La question qu'on peut se poser de manière sans doute un peu ironique, c'est est-ce qu'il faudra au prochain scrutin convoquer des observateurs de l'ONU pour s'assurer du bon déroulement du scrutin dans la 7e puissance mondiale. Je le dis de façon ironique, mais je trouve gravissime que la France ne soit plus capable d'assurer, parce que ces professions de foi ont une fonction précise, c'est permettre l'égalité de traitement de tous les candidats, les petites candidatures qui n'ont pas nécessairement les moyens de imprimer de la propagande pour que l'ensemble des électeurs aient connaissance du choix, se sont retrouvés privés de certaines informations décisives pour que l'électeur fasse son choix. Donc ça, c'est un point important. Et le dernier point, je veux dire aussi ma satisfaction. Politiquement, le territoire de Belfort est revenu d'une certaine façon à une situation normale, mais aussi souhaitable, avec le retour du clivage gauche-droite. Le nouveau monde que nous avons inventé en 2017 avait cru pouvoir s'en débarrasser en privilégiant la confusion. C'est une part de l'explication de l'abstention d'ailleurs. Moi, je n'ai jamais cru à la disparition de ce clivage. Il a la peau dure depuis la Révolution française. Et si nous défendons les uns et les autres des idées, des intérêts parfois divergents, nous le ferons, vous le savez, dans le respect des personnes, évidemment, et puis dans le respect courtois de ce qu'a être un débat qui peut s'avérer vif, vous le savez, mais qui doit rester respectueux et serein. Enfin, je veux dire aussi que nous aurons à cœur, élus de l'opposition, à défendre l'intérêt général de ce territoire et de ses habitants. Je l'ai dit, je veux souligner trois thèmes sur lesquels vous nous trouverez toujours au rendez-vous, de toute façon, allais-je dire. D'abord, sur les questions d'aménagement du territoire, j'ai souligné la crise que traversait notre département en matière démographique et en matière d'emploi. On n'a plus la compétence développement économique, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en matière d'infrastructure. Pour les sujets relatifs au développement social, au développement de l'éducation et de la culture, et bien entendu pour ce que j'appelle pas la transition, mais la bifurcation écologique, façon pour moi de souligner que c'est une obligation qui déborde aussi largement les clivages partisans. C'est une question universelle à laquelle on doit s'atteler sans tarder, parce que sinon le réel nous rattrapera. Et à ce moment-là, ça se fera sans notre consentement. Donc il vaut mieux qu'on l'organise plutôt qu'on le subisse. Et c'est quelque chose de tout à fait significatif. Je vous remercie et bonne chance encore pour votre mandat et pour celui de la nouvelle majorité. Merci, M. Fodor. Madame Javert a demandé la parole. Oui, je ne serai pas longue en complément de ce que vient de dire mon binôme Bastien Fodot. Bah, déjà, vous féliciter, Monsieur le Président. Je voulais insister sur le fait que, compte tenu de la faible participation et du niveau d'abstention, je crois que nous devons entamer ce mandat avec une autre posture que celle qui se faisait habituellement ici, qui est celle de l'affrontement politique et je dirais même l'affrontement partisan. Nous sommes une petite assemblée, nous sommes aujourd'hui des élus qui ont été choisis, représentatifs et élus par les mêmes concitoyens et j'entends que les élus d'opposition puissent être respectés aussi dans cette représentativité et cette légitimité.
D'autre part, j'émets aussi le vœu que pour ces 6 années, il y ait un travail collectif au service de nos concitoyens sur les valeurs de l'intérêt général, parce qu'il y a en effet une forte attente. Et nous devons prouver à tous ceux qui ne sont pas allés aux urnes que les élus sont utiles, que les collectivités locales que nous dirigeons et dans lesquelles nous investissons portent des politiques publiques qui touchent à leur quotidien. Et nous le ferons qu'en montrant justement ce travail collectif et en sortant des luttes partisanes qui abîment à la fois les images que nous avons des élus, que nos concitoyens ont des élus, mais qui abîment aussi l'engagement sincère que nous avons tous au quotidien, que ce soit sur nos cantons ou sur nos délégations. Donc voilà, j'émets évidemment ce vœu-là. Nous serons attentifs à ce qu'il soit respecté et nous serons évidemment présents sur toutes les problématiques. Je ferai un petit complément par rapport aux priorités qu'a énoncé Bastien Faudeau. Je pense que nous sommes aussi fortement attendus sur la jeunesse, sur son insertion et son accompagnement en matière éducative, et nous sommes aussi attendus sur nos aînés, et je pense que nous devons aussi travailler ensemble, je dis bien ensemble, à leur proposer de nouvelles politiques d'accompagnement en matière d'autonomie et d'hébergement notamment. Merci. Merci. Monsieur Formet. Oui, juste une petite question en tant que nouveau élu de cette assemblée. J'aurais voulu savoir s'il était prévu d'avoir un temps d'intégration, de présentation pour les nouveaux élus. Je suis pas le seul sur le fonctionnement du département et puis la présentation des services. Voilà, c'était une simple question d'un nouveau élu de l'assemblée. Je demanderai au directeur général des services de vous recevoir. Merci à vous. Donc effectivement, on est attendu sur de nombreuses thématiques, vous l'avez compris. Donc j'ai fait du bloc personnages et personnages une vice-présidence, et c'est Marie-Hélène Yvol qui sera la vice-présidente de cette délégation. Sur les mobilités, vous l'avez compris, mobilité douce, les routes, l'environnement, l'eau, les risques naturels, risques miniers, PPRI et autres, il y a, ou risques technologiques, c'est Didier Valverdu qui s'en occupera, de même que l'agriculture et la forêt. L'insertion, qui est aussi un axe important, j'ai chargé Lumna Chekwat, qui sera troisième vice-présidente, de se mobiliser sur l'insertion, le logement et la e-administration. J'ai demandé à Pierre Carle de prendre la quatrième vice-présidence avec la mission de l'aménagement du territoire, l'habitat, les projets urbains, les partenariats institutionnels. Et j'ai demandé à Anaïs Monnier von Esch de s'impliquer fortement sur l'éducation, l'enseignement supérieur, la culture. Donc ça englobe les collèges, la vie étudiante, la lecture publique, les archives, les médiathèques, les actions culturelles, de manière à ce qu'on puisse très fortement être mobilisé sur les attentes de l'ensemble de ces de nos administrés. Enfin, puisque je suis dans la série des annonces, Marie-France Séfis est conseillère déléguée à l'action sociale territoriale, l'enfance, la famille, la santé publique, Sébastien Vivot, la vie associative, la commande publique, commission d'appel d'offres, la MAPA, les relations avec les instances représentatives du personnel du conseil départemental, et Marilyn Morallet sera en charge de l'attractivité à travers le tourisme, l'aménagement et la valorisation des sites départementaux, les grands événements, la coopération décentralisée. Enfin, j'ai demandé à Yann Boucard pour répondre aux attentes de la jeunesse. J'ai demandé au député Yann Boucard de s'impliquer fortement sur la jeunesse et le sport. Vous savez que on a le conseil départemental des jeunes, on a les relations aussi à entretenir avec les nombreux clubs sportifs et les associations de notre département. Je lui ai demandé aussi de s'assurer du suivi des jeunes talents, puisqu'on a des jeunes sportifs de haut niveau, et je lui ai demandé de les suivre tout particulièrement, de même qu'il sera chargé de l'animation du label Terre de Jeux 2024. C'est un grand sportif, notre jeune député, et je lui ai demandé de s'impliquer sur l'animation du label.
Enfin, j'ai demandé au sénateur Cédric Perrin de s'impliquer spécifiquement dans le domaine des solidarités territoriales et de la coopération transfrontalière avec la République et canton du Jura. Hein. Voilà, donc, à travers ces différentes missions et l'implication des uns et des autres, on pourra répondre aux attentes de l'ensemble des Terrifortins sur ces thématiques. Je vous propose d'aborder à présent la deuxième partie de notre ordre du jour, qui prévoit la délégation de pouvoir au président du conseil départemental. Vous le savez que le code général des collectivités territoriales prévoit un certain nombre de délégations données au président, confiées au président du conseil départemental. Ça se passe dans le respect du code général. Ce sont des délibérations qu'on est amené régulièrement à prendre à chaque installation. Et bien entendu, le président du conseil départemental que je suis rendra compte devant cette assemblée de l'ensemble des décisions qu'il sera amené à prendre. Y a-t-il des oppositions? Ah, j'ai cru qu'ils étaient sur table. Voilà. Donc, c'est des délibérations qui vous sont déposées sur table, mais c'est des choses qui sont très réglementaires, donc très formalisées. Ça me permettra aussi de convoquer la prochaine séance du Conseil départemental qui aura lieu le 15 juillet prochain. Enfin, c'est la reprise d'intégralité des délégations de pouvoir pouvant être confiées au président. Y a-t-il est-ce que vous êtes d'accord de les délibérer tout de suite? Oui. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? À l'unanimité, on les soumet les deux aux voix. Premier, c'est les délégations de pouvoir données au président du conseil départemental et bien sûr assorties d'une obligation d'en faire l'annonce au cours de l'exercice. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et toujours dans le même esprit, il s'agit de donner délégation à la commission permanente de décider. Le conseil départemental peut en effet déléguer à sa commission permanente, dont tout le monde fait partie, de l'exercice de certaines attributions pour statuer sur les affaires courantes. Voilà. Toujours en accord, bien sûr, avec le code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est formidable. Je vous remercie. Tout est adopté à l'unanimité. Et nous avons à présent abordé la totalité de nos points inscrits à l'ordre du jour de cette séance d'installation. Je voudrais vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette installation. Remercier aussi le maire de Belfort, président du Grand Belfort, de sa présence parmi nous. Il y a également le doyen des maires du territoire de Belfort, Roger Loquin, qui est présent. J'ai aperçu de nombreux élus et ça fait toujours plaisir, malgré le contexte sanitaire et les règles à appliquer, de voir que nos élus sont présents à nos côtés. Voilà. Je vous invite bien évidemment à faire la photo de groupe. C'est ça? Non? On l'a fait à l'entrée. Est-ce qu'on a encore fait une photo? On me dit que certains élus n'ont encore pas fait leur photo individuelle et je vous invite bien sûr à aller dans la salle d'à côté pour faire les photos institutionnelles. Et puis à présent, je vous invite au vin d'honneur qui est servi dans la salle d'à côté également. Merci à toutes et à tous de votre participation. Merci à vous. Prochaine réunion du conseil départemental, le jeudi 15 juillet à 9h30.